Yo tout le monde, c'est Miros et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de Let's Play Sonic Classic Heroes. La dernière fois on avait fait Mystic Cave. Et donc j'avais tourné avec Camtasia. Finalement il s'est révélé que c'était beaucoup mieux que Action puisque c'est fluide. Il n'y a aucun problème de fluidité à ce niveau-là. Et en plus je peux régler mes deux pistes son. Donc c'est beaucoup mieux. Alors cependant, l'autre coup j'ai, enfin c'était hier quoi, j'ai tourné du Link's Awakening et à la fin j'ai eu l'étrange surprise de ne pas avoir ma voix sur la piste audio. Et en fait c'est Camtasia qui a changé ses réglages tout seul pour me mettre par défaut le mixage stéréo, c'est-à-dire le son interne au PC. Je sais pas comment il a fait ça. C'est pas moi, j'ai touché à rien. Donc j'espère que cette fois-ci ça ne se reproduira pas. Normalement, non, j'ai fait les réglages nécessaires. Bref, on va partir pour Oil Ocean Zone. J'ai juste monté le son dans mes oreilles parce que j'entends strictement rien. Donc Oil Ocean Zone, si vous vous rappelez bien, c'est là que j'avais Game Over quand j'avais fait ma vidéo Game Over. Sauf que j'étais avec Knuckles tout seul, hein. Puisque c'était Sonic 2 et Knuckles. Je sais pas si c'est un hack. Je suppose que oui, hein, même si c'est tout à fait possible de refaire ce jeu IRL. Il suffit d'avoir une cartouche Sonic 2 et une cartouche Sonic et Knuckles. Et vous pourrez jouer Knuckles dans Sonic 2. Voilà. Petite leçon du jour. Bon, enfin, je crois que tout ça, je l'avais déjà expliqué à l'époque. Par contre, maintenant, ça va trop fort dans mes oreilles. Ça, c'est pas agréable non plus. Hop. Je vole un peu, hein, parce que je sais pas trop où je dois aller exactement. Ok. On va aller par ici, écoutez. Déjà, si on peut devenir en Super Tails, ça serait pas mal, je pense. Enfin, Super Tails, y a pas que Super Tails dans la team, hein. Y a aussi Super Knuckles et Super Sonic. D'ailleurs, faudrait que j'essaie un truc avec Super Sonic. Pour voir s'il y a le super peel-out aussi. Hop. Enfin, s'ils ont amélioré le super peel-out. Hop. Parce que je crois pas que le super peel-out était dans Sonic 3. Il est apparu dans Sonic 2. Donc on va switch sur Sonic. Hop. Tac. Il est... non, pas dans Sonic 2, pardon. Dans Sonic CD. Ah bah oui, il y a le super peel-out, mais il est un peu bizarre. D'accord. Information intéressante. On va prendre les anneaux là. Hop, pas déconner. Putain, mon téléphone sonne. On s'en fout. C'est là? Est-ce que c'est là? De toute évidence, non. Bon. On va arrêter de déconner là, les mecs. Hein. Ah! Putain. J'ai trop du mal. Bon, désolé monsieur ou madame qui me téléphone, c'est sûrement mes parents. Je ne peux pas répondre, je suis occupé. Hop. Oh putain, j'ai cru que j'allais me faire écraser comme une merde là. Par contre, j'aurais besoin d'anneaux d'urgence. Hop. Ok. Je pense qu'on s'approche de la fin de cet acte. J'espère avoir le temps de vous faire les deux actes. Ça, c'est pas sûr. C'est pas sûr du tout. Je vais être honnête. Parce que j'ai cours à 13h là. Bon, quand vous voulez, les mecs. Ok. Bah, on n'aura pas beaucoup profité de notre hyper team là. Pour le coup. Putain, encore. C'est long ces passages là. Et puis c'est assez inutile. Ça permet de progresser, oui, mais c'est long pour rien en fait. C'est un peu l'impression que j'ai. Hop. Putain. Allez, hop. C'est bon. L'acte 1 c'est fait en presque 3 minutes 30. Un temps plutôt correct. Même si c'est loin d'être un temps de speedrunner. Mais je ne suis pas un speedrunner. Et je ne le serai jamais, je pense. Oh. Hop. Enfin, ça vaudra jamais le temps de ta sœur. Enfin, pas ta sœur, ta sœur.
tool assisted speedrunner. Faut bien comprendre mon langage. Le langage Amiros. Aïe. Ok, donc ça c'était pas prévu du tout. C'était un petit piège à con quand même là. Ok. Bon, let's go. Qu'est-ce que c'est ça? Ouais d'accord, c'est bien ce qu'il me semblait. C'est une sorte de bumper. Hop. C'est bumper 3.0. Aïe. Ok, donc ces trucs là vont m'emmerder. C'est officiel. On va essayer quand même de choper les 50 anneaux pour pouvoir se transformer. Encore une fois, pour le boss, c'est plutôt conseillé. Hop hop hop, viens ici toi. Hop. Oui, je sais qu'avec le bumper ça aurait sûrement été beaucoup plus simple, mais moi j'aime bien faire les choses compliquées. Ok. Là y a rien là. Non. Ok, parfait. Non, pas parfait du tout. Là je suis parti un peu trop bas. Voilà, c'est ici. Je me concentre hein, parce que j'ai pas envie de perdre. Oh merde, ça sent le boss. Non, pas du tout, d'accord. Vite, vite, vite. Oh putain. Y'a trop d'ennemis dans ce coin. Ok, j'ai cru que j'avais fait une bêtise, que ça allait m'envoyer un peu loin. Wouh! Et ben voilà! Suffisait de demander. Bon, je vais pas me transformer tout de suite parce que j'ai l'invincibilité, ça serait gâcher des anneaux pour pas grand chose. Soyons honnêtes. Bah allez. Comme d'hab, y'a plus qu'à attendre. Ah bah non, en fait, je me suis transformé par erreur. Tant pis. Hop, j'espère que le boss est pas trop loin. Bouclier électrique, ça c'est cool. C'est très très cool même. Allez go. Je me souviens plus du tout du boss. Bah, je sais juste qu'il est là en fait. Boum, boum, boum. Ah ok, il faut pas du tout toucher l'eau en fait. Hein. Point, 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 point. Ok, donc je ne peux pas le toucher. Ça c'est pas cool par contre. Allez Eggman, montre-toi. Hop. Ouh. C'était chaud. Allez, putain, plus vite. J'ai pas envie de perdre tous mes anneaux. C'est bon, c'est gagné. J'ai eu peur de gâcher tous mes anneaux. Donc on se retrouve dans une demi-heure pour la suite. A plus tout le monde.